J'ai vraiment peur. Je vais le sonner. D'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre coopération avec le test l'ADN obligatoire que vous avez accepté de prendre. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter le cas de Mary Kim qui a été trouvée morte le 12 octobre 2013. Nous avons avec nous aujourd'hui l'accusée, Elise Lévesque. Notre témoin, Émilie Hainaut. L'avocat défendant, Marie-Josée Boyer. Et l'avocat de la poursuite, Chantal Poisson. Courez maintenant en session. J'aimerais appeler Camille Hainaut au bord. Qu'est-ce qui a déroulé sur l'après-midi le 12 octobre 2013? J'étais dans mon appartement et je me relaxais après une soirée de travail. J'ai entendu des cris, alors je suis allée voir devant ma fenêtre et j'ai vu deux filles dans la forêt, une fille avec des cheveux bruns et une autre avec des cheveux blondes. C'était pas clair parce que c'était un peu noir dehors. Ce n'est pas la même silence! J'ai pas appelé les policiers parce que je croyais que pas que c'était important. À cause, il y a toujours des adolescents qui jouent dans la forêt derrière mon appartement. Alors, je me suis retournée dans mon lit. J'ai entendu des filles, mais j'ai pas pris beaucoup d'attention. Merci pour votre temps, Camille. Maintenant, j'appelle l'accusée, Elise Lévesque, et l'avocat de la poursuite, Chantal Poisson. Et le meurtrier. Au sein du crime, il y avait un mèche de cheveux blonde. Je crois que Madame Elise ici a des cheveux blancs, oui ou non? Oui! Et aussi, Elise faisait la même sorte de fusil qui était utilisée pour assassiner la jeune Mary Kim. Est-ce que tu peux nous dire quelle sorte de fusil que tu possèdes, Madame Lévesque? Un fusil de chasse. Savez-vous que c'était le type d'arme utilisée pour tuer Mary Kim? Oui, mais c'était pas mon fusil. Ok. Alors, je crois que tu habites juste 2 km du scène du crime. C'est vrai, oui? Oui. Je pense que c'est un peu suspicieux. Et vous? Non, pas du tout. C'est tout que j'ai à dire. Cette femme est l'assassin de Mary Kim. Ensuite, j'appelle l'avocat de la défense, Marie. José Boyer. Premièrement, le test de l'ADN sur le cheveu trouvé au site de crime n'est pas encore complété. On n'a pas de preuves pour vérifier si c'était le cheveu de mon client, Elise. C'est vrai que mon client possède des cheveux d'arbre, mais à ma compréhension, mon client ne les a pas utilisés depuis 5 ans. Est-ce que c'est vrai, Elise? Oui, c'est vrai. Pour garantir que mon client n'était pas celle qui a tué les victimes, on voit que les balles trouvées sur le site du crime sont des A-32. Quelle balle utilises-tu? Les B-34. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes balles utilisées pour le meurtre. On voit aussi que mon client, Elise, a une fiche de police propre. On l'accuse vraiment d'être un meurtrier. C'est ridicule! Silence! Merci Marie-Josée et Elise pour votre temps aujourd'hui. Attention,
Je donne maintenant le temps aux jurés pour faire leur décision sur cette cas. Les jurés avaient pris une décision. Élise Lévesque avait été prouvée coupable pour toutes les accusations de la crime. Attention! Le résultat de la test ADN est maintenant ici. Le vrai coupable est Camille Hinault! Avec ces nouveaux tests ADN, on peut maintenant prouver que le vrai coupable est Camille Hinault. Élise, t'es innocent. Youpi! Youpi! Merci tout le monde pour votre temps. Le cours est terminé.